Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur, tous les mardis et jeudis de 22h à 23h. Rejoignez-nous au 09 72 61 93 80, code d'accès 1077. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour cette nouvelle année et pour la parole prophétique que tu m'as donnée. Père, je crois que cette année est mon année. Cette saison est ma saison. Une année de liberté, une année de la grâce de Nephtali, une année de revêtement spirituel et surnaturel, une année de grâce, une année de faveur, une année de guérison divine, une année de victoire, une année de victoire garantie pour toutes les batailles qui se dresseront devant moi par la puissance du Saint-Esprit. Car la Bible me dit que quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve, ton esprit le mettra en fuite. Alors je te bénis, Père, pour cette nouvelle année que tu me donnes, pour cette grâce que tu m'accordes de voir les portes de 2019, pour cette grâce que tu me fais, Seigneur, de pouvoir respirer l'air de 2019, pour cette grâce que tu me fais, Seigneur, de pouvoir vivre l'heure, les minutes et le jour de 2019. Je te bénis, je te loue, je te glorifie, je te magnifie, je t'exalte parce que tu es bon. La Bible me dit dans le psaume 34 au verset 1, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Merci Seigneur, car en cette année encore 2019, ta louange sera toujours dans ma bouche. Ta louange sera bel et bien là dans ma bouche. Ta louange sera là dans ma vie. Ta louange sera là dans ma maison. Ta louange sera là dans tout ce que je vais entreprendre. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénis ton nom et je t'exalte. Je bénis ton nom et je t'exalte. En cette année 2019, ô Père, mon entourage m'appelle béni de Dieu. Je crois que Seigneur, ta bénédiction et ta faveur me localisent et m'accompagnent. Alors je peux dire comme David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de 2019. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. En cette année 2019, Père, je déclare que je bois la coupe de la délivrance. Je déclare que je bois la coupe de la bénédiction. Merci pour ta délivrance qui localise ma maison. Merci pour ta délivrance qui localise ma vie. Merci pour la bénédiction qui localise ma vie. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je déclare encore en cette année, oui, 2019, ta présence dans ma vie bénit ma famille. Oui, Père, ta présence dans ma vie bénit mes enfants. Ta présence dans ma maison bénit tout ce que je suis. Alors je te bénis, alors je t'exalte, alors je te magnifie, alors j'élève ton nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Oh, en cette année 2019, parce que j'ai ta faveur, Seigneur, mes ennemis ne triomphent pas de moi. Oui, cette année, mes ennemis ne triompheront pas de moi. Et je peux même le dire au présent, en cette année 2019, mes ennemis ne triomphent pas de moi dans le nom de Jésus. Parce que j'ai ta faveur. Je bénis ton nom, j'exalte ton nom, je magnifie ton nom puissant et glorieux. À toi la gloire et la louange. Oui, la Bible dit dans le psaume 145 au verset 10, toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Oui, Père, je bénis ton nom car je fais partie de tes fidèles. Alors je te bénis et tes fidèles te béniront. Père, je te bénis encore pour cette année 2019. Oui, je bénis ton nom pour cette année 2019 car je suis humble et la sagesse est avec moi.
Père, merci pour ta sagesse qui m'accompagne en cette année 2019. Merci pour l'humilité qui précède la gloire, qui accompagne et qui environne ma vie. Alors je te bénis, Seigneur. Je déclare encore en cette année 2019 que je craindrai l'Éternel, car c'est le commencement de la sagesse. Parce que la crainte est le commencement de la sagesse, je déclare maintenant, je déclare que je craindrai l'Éternel en cette année 2019. Et je me tiendrai éloigné du péché. Je me tiendrai éloigné des commérages. Je me tiendrai éloigné des jugements injustes. Je me tiendrai éloigné de tout ce qui peut m'éloigner de toi. Oui, parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, je craindrai l'Éternel en cette année. Je craindrai encore l'Éternel, encore et encore l'Éternel, car c'est le commencement de la sagesse. Cette année, je décide de corriger mes voies. Je décide de corriger mes actes. Je décide d'obéir à ta voix. Oui, je décide d'obéir à la voix du Seigneur. Et je crois, Seigneur, je crois que parce que j'obéis à ta voix, tu renonces au mal que tu avais prononcé contre moi. Cette année, Seigneur, je corrigerai mes voies et mes actes. Et j'obéirai à la voix du Seigneur. Et le Seigneur renoncera au mal qu'il avait prononcé contre moi à cause de ma désobéissance. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible déclare dans Ésaïe 45 au verset 25. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Oui, c'est par toi que nous sommes justifiés et glorifiés. C'est par toi Seigneur que je suis justifié en 2019. Devant les injustices, devant les accusations, devant les condamnations. C'est en ton nom Seigneur que je suis justifié. D'ailleurs, Seigneur, la Bible me dit que tu as pris ma place à la croix de Golgotha. Tu as connu la honte pour que moi, Seigneur, je puisse connaître la gloire. Tu as été condamné pour que moi, Seigneur, je sois acquitté. Alors je te bénis et je te loue. Je te magnifie et je t'exalte. À toi la gloire et la louange, Seigneur. Alléluia. Je déclare encore en cette année 2019, parce que je suis la semence d'Abraham, par Jésus-Christ. Oh, alors je déclare que je reçois la bénédiction d'Abraham. Oui, je reçois la bénédiction d'Abraham. Je déclare que je suis béni. Je suis multiplié comme les étoiles du ciel et je suis multiplié comme le sable de la mer. Car je reçois la bénédiction d'Abraham. Je suis la semence d'Abraham par Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je bénis ton nom encore. Je bénis ton nom encore, Père. Je bénis ton nom encore, Seigneur. Oh, je déclare en cette année 2019, que toute malédiction qui sera envoyée sur mon chemin sera changée en bénédiction au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'en cette année 2019, que toute malédiction qui sera envoyée sur mon chemin sera changée en bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare qu'en cette année, je suis rassasié de faveur et comblé de bénédictions. Oh, de la part de mon Seigneur, de la part de mon roi, de la part de celui qui m'a élu avant la fondation du monde. Alléluia. Oh, je bénis ton nom pour cette année 2019, car je sais que c'est une année, Seigneur, où je veux vivre la liberté divine, car je sais que c'est une année, Seigneur, où je veux voir ta main manifestée dans ma vie. Alors, je déclare que toute invasion maléfique qui sera libérée contre ma vie, que toute invasion maléfique qui sera libérée contre ma maison, que toute invasion maléfique qui sera libérée contre mes enfants sera détruite au nom de Jésus-Christ. Oh, Père, merci, car tu ordonnes que ta bénédiction soit sur ma vie. Père, merci, car tu ordonnes que ta bénédiction soit sur la vie de mes enfants. Père, merci, car tu ordonnes que ta bénédiction soit sur ma santé. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père, car mes enfants m'obéissent, car cela est agréable au Seigneur. En cette année, toute malédiction d'infirmité, toute malédiction de maladie et de mort prématurée est brisée au nom de Jésus. En cette année, toute maladie logée dans mon corps sera consumée par le feu de l'Esprit au nom de Jésus. En cette année 2019, Seigneur, oh, je crois que tu me donneras ce que l'argent ne peut acheter et tu me donneras ce que l'homme ne peut donner. Alors je te bénis et je te loue. Oh, je crois, Seigneur, qu'en cette année 2019, que celui qui creusera une fosse pour que je puisse y tomber, tombera dans la fosse qu'il a creusée lui-même, au nom de Jésus. En cette année, oh Père,
Je prends tout ce qui m'appartient en Christ au nom de Jésus. Je déclare que je prends tout ce qui m'appartient en Christ au nom de Jésus. Oh, en cette année, Père, je prie que toute personne qui est un frein à ma destinée s'éloigne de moi au nom de Jésus. Que toute personne qui est un frein à mon évolution, que toute personne qui est un frein à ma destinée s'éloigne de moi dans le nom de Jésus. Oh Père, je déclare qu'en cette année 2019, que je reçois la grâce de payer n'importe quel prix pour te plaire au nom de Jésus. Oui Seigneur, je déclare qu'en cette année 2019, que tu envoies vers moi toute personne qui est liée à ma destinée. Tu envoies vers moi toute personne qui est liée à ma destinée, toute personne qui est liée à mon expansion, toute personne qui est liée à ma bénédiction. Je déclare que toute personne qui est liée à ma bénédiction me localise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je déclare qu'en cette année, je me libère de toute chaîne, de manque de pardon qui me tient lié. Je déclare qu'en cette année, je me libère de toute chaîne d'apitoiement sur soi. Je me libère de tout découragement au nom de Jésus-Christ. Je décide en cette année de pardonner et non de garder l'amertume dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, j'appelle en esprit toute personne qui est une aide pour ma destinée à me localiser. En cette année, j'appelle en esprit toute personne qui est une aide pour ma destinée à me localiser dans le nom de Jésus. Que les bonnes personnes qui sont des aides pour ma destinée, pour mon expansion, puissent me localiser dans le nom de Jésus. Oh, je déclare que cette année est une année excellente, Alléluia, Oh Père, merci. Je me souhaite et je déclare sur moi-même une excellente année 2019 dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Aimez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Summer TV. Que Dieu vous bénisse richement.